Voilà, je voudrais faire un petit clin d'œil à un photographe de Chamonix qui nous a quittés accidentellement il y a quelques jours, M. Hagenmüller, qui devait exposer aussi des photos dans un autre cadre, un cadre qui a un lien avec la montagne. C'est un triste accident et voilà. C'était un photographe du Mont Blanc. Voilà, il avait participé à une des éditions du Mont Blanc Photo Festival. Bienvenue. Oui, oui. Je vous remercie d'être venu pour cette 6e édition du Mont Blanc Photo Festival. 6e édition avec une édition cette année très tournée vers l'humain. C'est vrai qu'en tant que présidente de ce festival, j'ai eu envie cette année de travailler autour de ce que l'humain est dans la nature ou ce que la nature apporte à l'humain, ce regard qu'on peut apporter l'un vers l'autre. Et je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qui pourrait réparer l'homme? Et je ne vois rien d'autre de mieux pour réparer l'homme que la nature. Donc je me dis que ce lien qu'on peut créer entre l'homme et la nature est un lien qui existe et qu'on doit continuer à faire perdurer. On est d'ailleurs dans une région qui respecte très bien cela. Ensuite, on s'est demandé quel type de photographe on allait pouvoir inviter pour cette idée. J'ai appelé Yann Arthus Bertrand, qui est très 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 pris, très occupé, et je lui ai dit « tu ne peux pas me dire non ». Il a dit « bon bah d'accord, je te dis oui ». Néanmoins, ça a été un grand travail pendant un an avec les équipes, avec Alison, avec les maires, d'arriver à le convaincre. C'est la première fois qu'il fait une exposition de ses photos tirées du film « Human ». Donc c'était vraiment l'idée originale, c'est d'apporter à ce festival un côté très humain. Avec Patrice, on avait ce regard, on portait ce regard aussi sur l'art, l'art à travers l'humain. Et donc c'est vraiment ce qu'on a demandé cette année à Yann Arthus. Et puis, je dois dire que pour cette 6e édition, on a une chance inouïe. Chaque commune a joué le jeu des offres du festival. Et ça, c'est formidable, soit les Contamines, Megève, Combloux, Saint-Gervais et aussi Sallanches. Et c'est ça un festival, c'est à la fois un lieu fort, comme ici, la Maison Forte de Hautour. Je remercie d'ailleurs très très chaleureusement l'équipe de Jean-Marc Payex de nous ouvrir les portes de ce lieu fantastique, et Jean-Marc bien sûr. Mais aujourd'hui, eh bien, on est au début de cette saison d'été au Pays du Mont-Blanc et dans toutes les communes du Pays du Mont-Blanc, donc c'est aussi une belle manière d'accueillir nos invités, les résidences secondaires, de permettre aux gens du pays aussi d'avoir de belles images sous les yeux pendant toute cette saison.